Christian, une première victoire au Courrier de l'Ouest après une belle 7e place à Saint-Paul-Morlaix. J'imagine que c'est une grande satisfaction. Ouais, c'était un de mes objectifs là. Alors avec Noël, mon entraîneur, on avait ça comme objectif. J'avais passé le marathon sous 2:30, on l'a passé au mois de mai. Et aujourd'hui, il y avait le Courrier de l'Ouest. Et puis il y aura le marathon de La Rochelle dans 15 jours. Voilà. Et je tiens à lui dire que c'est grâce à lui en partie que j'arrive à faire ça. Avant, j'avançais beaucoup moins. Il me prépare super bien et je le remercie. Alors Noël, un petit mot de l'entraîneur. C'est rare qu'on interviewe les entraîneurs. Quelles sont les qualités de ton petit poulain là? Vous dites que c'est rare d'avoir des commentaires d'entraîneurs, mais c'est rare aussi que les athlètes remercient autant un entraîneur. Alors, je tiens à dire qu'il n'y a pas à remercier l'athlète, c'est un athlète. D'autre part, il a des qualités exceptionnelles. Ces résultats-là auraient dû arriver il y a bien 15 ans, mais le seul problème, c'est que quand on a un travail comme le sien, quand on travaille de jour, de nuit, avec des horaires et des conditions de travail qui ne sont pas forcément faciles, je lui tire mon chapeau et lui, il précise... Christian précise que c'était l'un des objectifs, mais allier le cross du Courrier de l'Ouest sur 6 km et allier le marathon de La Rochelle, je suis pas sûr que ça soit très facile à gérer. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on s'en sort très bien tous les deux. Donc on prend plaisir et je prends d'autant plus plaisir que c'est quelqu'un qui court toujours avec le maillot de Saint-Barthélemy. Voilà. Ça prouve qu'il a de la vitesse déjà. Donc, Je sais pas s'il en a, mais en tout cas il se fait rouspéter quand il va un peu trop vite. Mais bon, non, oui, c'est un athlète complet. Je lui ferai pas faire de la perche, mais c'est un athlète complet. Alors l'objectif pour La Rochelle, t'as un petit chrono en tête? Bah, Noël il m'a mis 2:28, moi j'aimerais bien une seconde en moins que 2:28, alors 2:27 et quelques quoi. Mais tout ça, le problème de La Rochelle c'est le temps, faut qu'il fasse beau quoi. Et s'il y a les bonnes conditions, j'ai jamais été autant en forme je crois. Je le sens à l'entraînement là, des séances qu'il me met Noël, je suis prêt pour y aller. Mais puis quand j'ai quelque chose dans la tête, normalement ça y va, mais il faudra qu'il fasse beau quoi. Et puis à la caméra on juge que t'es bien affûté, donc bon courage pour La Rochelle et puis merci. Merci beaucoup, merci.